parmi tous ces personnages de Skip des toilettes, quel est celui qui saute le plus loin? Si moi j'essaie de sauter, je pense que c'est plutôt ridicule. Let's go! Non, je vais tomber tout au fond de cette rivière. Je n'ai même pas réussi à traverser ce pont cassé. Maintenant, si je deviens ce caméraman, ça va se passer différemment. Let's go! C'est parti, je saute extrêmement haut. Et surtout, j'ai dépassé le pont. Ok, c'est bon, j'ai réussi à traverser le pont cassé. Prenons le speakerman pour faire une comparaison. C'est parti, let's go, il s'élance. Il saute. Est-ce qu'il va aller plus loin que le caméraman? Je crois que oui. Ou alors, juste à côté. Oh, juste à côté, ils ont fait quasiment le même saut. D'après vous, lequel de ces caméramans, speakerman, TVman, va sauter le plus loin? Moi, je mets une petite pièce sur le Trititan. Faites vos paris en commentaire. Ensuite, nous avons le speakerman à vélo, Skibidi. Alors lui, il va extrêmement vite. Regardez la vitesse de fou. Je saute et waouh. Ok. Waouh. Impressionnant. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il aille si loin. C'est une véritable dinguerie. C'est lui qui prend la tête de cette course actuellement. D'ailleurs, juste après, il restera aussi tous les Skibidi toilettes. Voici le caméraman contrôleur. Il est tout petit. Est-ce qu'il est capable d'aller loin? Je ne sais pas. Let's go. Oh, plutôt sympa le saut. Je crois qu'il va battre le caméraman. Ainsi que... Non, il est tombé juste à côté. On va le mettre juste à côté parce qu'il a rebondi sur la tête du caméraman. Allez, avance un petit peu. Juste là, voilà, t'es au même niveau. Juste ici, nous avons un laserman du gang des laserman. C'est parti, mince. Je l'ai fait sauter, attendez 2 secondes. Ok, c'est parti. Il est super lent. What? Il est super lent. Est-ce qu'il va réussir à traverser le pont? Non, même pas, il va tomber au fond de la rivière. Oh non, le noob. Regardez-le, le pauvre, il est tout au fond de la rivière. Prenons désormais le projecteurman. Il est plutôt petit, mais je sens qu'il peut aller loin. Allez, c'est parti, il court super vite. What? Mais attendez, mais il court vraiment super vite et il va surtout super loin. Est-ce qu'il va battre? Oh oui! Mais oui! C'est incroyable! Il vient de battre le speakerman sur son vélo, Skibidi. Alors là, je suis choqué. On a le projecteurman, c'est pour l'instant le personnage qui saute le plus loin. C'est parti pour le Sirenman! Ouh là là, il est très très lent. Il est très très lent, il va sauter. Oh, est-ce qu'il va réussir à traverser le pont cassé? Je crois que oui, mais tout juste... Non! Il retombe juste avant le deuxième morceau du pont cassé. Le caméraman espion, c'est parti! Hop les! Oh, joli saut, mais pas si efficace que ça. Oh, ah, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais ça va, il a quand même réussi à traverser le pont cassé. C'est au tour du TV Man, et cette fois-ci, lui, je lui fais confiance. Je pense qu'il va tout casser. Allez, c'est parti, let's go! C'est parti. Ah, il court pas très très vite. Oula! Ah oui, il court vraiment pas vite. J'espère quand même qu'il va réussir à passer le pont. Quoi? Mais non! Il est pire que le Siren Man. C'est quoi ce délire? Il est très puissant mais il saute vraiment pas loin. Je pense que TV Woman va faire beaucoup mieux. Allez, c'est parti et lance-toi sur la rampe de lancement. C'est parti. Hop, let's go. Oh, pas si fou que ça. Elle va retomber sur le pont. Oh, let's go. Elle retombe quand même sur le pont. Mais quand on voit ce classement, il n'y a aucun rapport entre la puissance et la capacité à sauter très très loin. Peut-être que TV Woman diabolique va rattraper un petit peu les choses pour le gang des TV. Attention. Ouais, j'ai pas l'impression. Déjà, si elle traverse le pont, ce sera bien. Ok, juste derrière sa collègue TV Woman. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. On a un gros véhicule. Le tank caméraman, jusqu'à où il va sauter? Let's go! Oh, plutôt pas mal. Oh là 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 là, vraiment pas mal. Est-ce que ça va devenir le premier? Oh, let's go! Ça devient le premier. Par contre, possiblement, plus vous êtes gros, plus vous sautez loin. Ça, j'y crois un peu plus. Là, on est avec le caméra strider, le caméra longue jambe. Attention. Oh, pas si terrible que ça, j'ai l'impression. Si, quand même, ça va quand même beaucoup plus loin. Ok, let's go. C'est au tour du gros caméraman de s'élancer. Let's go. C'est parti jusqu'à où il va aller. Oh, pas mal. Let's go. Ok, vraiment pas mal. Voici un petit peu le classement pour l'instant. Le grand laserman, je le rappelle, son petit frère est au fond de la rivière. Donc lui, où est-ce qu'il va aller? Attention. Se placer juste derrière le grand caméraman. Plutôt pas mal. En tout cas, mieux que son petit frère. Et que moi aussi. C'est au tour du grand speakerman. Attention. Il s'élance avec ses grandes enjambées. Ok. Il va retomber derrière son petit frère. Oh, il a rebondi sur le skinny toilette espion. Ok, ouais, juste ici, derrière son petit frère. Plutôt très nul. Le grand projecteur man, je sens que ça peut être une dinguerie puisque son petit frère est tout devant de la course. Ok. Oh, pile devant le grand caméraman. Mais ça reste moins bien que son petit frère qui est toujours deuxième, juste derrière le tank caméraman. C'est au tour de l'hélicoptère speaker. Je sens que lui peut battre tous les records. Attention. Ok, je me suis dit qu'il allait aller encore plus loin. Mais ça reste très bien. Il se rapproche de la tête de la course. On va très bientôt passer au mecha boss.
boss, qui auront d'ailleurs une règle spéciale. Mais juste avant, c'est au tour de l'araignée speaker. Attention, attention. Ah, ça coince un peu. Donc du coup, il est obligé de sauter. Alors là, c'était full bugué. On recommence, je crois qu'elle peut pas passer le pont. Du coup, on va devoir la faire sauter comme ça. Oh, what? On réessaye, allez, c'est parti. Ok, ouais, ok. Là, c'est plutôt pas mal. Oh, wow, ok, juste derrière la caméra longue jambe, ça paraît cohérent. Et désormais, il ne reste plus que les boss. Et là, nouvelle règle qui rentre en compte. Les méca boss auront le droit à un minimum d'élan, étant donné qu'ils sont super puissants et qu'ils peuvent sans doute sauter extrêmement loin pour éviter qu'ils sortent de la map. Il y aura d'abord un premier essai avec ce petit élan, et si jamais ils n'arrivent pas à traverser le pont, alors là, ils pourront sauter comme tous les autres. On commence avec le caméraman méca boss. Ok, c'est parti. Et il saute. Oh, il n'arrive pas à sauter le pont. Ok, il va pouvoir sauter comme tous les autres. C'est parti, tu peux prendre ton élan. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hop, allez. C'est parti. Et jusqu'à où il va aller? Oh, il a failli prendre la première position, mais elle reste contrôlée par le tank caméraman. En même temps, c'est un véhicule. Maintenant, le traffic man méca boss. Ok, c'est parti. Lui aussi, il a le droit de sauter comme tous les autres. Ok, c'est parti, let's go. Ok, let's go. What? Ok, il arrive quasiment au même niveau que le caméraman méca boss. On passe au projecteur man méca boss. Ok, c'est parti. Et lui aussi il a le droit de sauter comme tous les autres. Ok, c'est parti, let's go, let's go, let's go. Ok, attention, 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 attention. Oh, il arrive derrière le speaker araignée. Comme quoi, vraiment, la distance de saut n'est vraiment pas reliée à la puissance. Allez, c'est parti pour le speaker man méca boss. Let's go, hop, allez. Ok, lui aussi, il va pouvoir sauter normalement. Allez, c'est parti, il va pouvoir prendre la rampe normalement. Attention, attention. Ok, 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 ok. Attends, c'est vraiment pas terrible. Il y a moyen que je me suis fait. Là, attends, on va recommencer. Parce que ça me paraît bizarre quand même. On va recommencer. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et lance-toi. Hop là. Let's go. Ah, voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, ok. Il arrive à peu près là où sont tombés tous les autres méca boss. Notamment son collègue, le Traffic Man méca boss. Oh, le Laserman méca boss avec ses gros propulseurs. Je sais pas où est-ce qu'il va aller. Attention, on fait prendre le minimum d'élan. Attention, attention, attention. Hop les. Let's go. Oh, lui, à mon avis, il va aller extrêmement loin. Oh oui, ok. Il a le droit de sauter normalement, mais il va aller extrêmement loin parce qu'il a pas traversé le pont. Je vous le dis, ça va être une dinguerie. Attention, 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 attention. Oh, il va prendre la tête, il va prendre la tête. Il va même sortir. Ok, ça va. C'est devenu largement le premier. Et il fait honneur à sa famille parce que je vous le rappelle, son petit frère est le seul au fond de la rivière. Ensuite, on a le TV Man Mecha Boss Speaker. Attention, attention, attention. C'est parti. Let's go. Oh, lui aussi il saute très loin, mais il a le droit de sauter normalement. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Let's go. Oh, je pense qu'il va choper peut-être la deuxième position. Oh non, juste à côté, le tank caméraman. Dessus carrément. Bon, allez, légèrement plus loin parce qu'il a une plus grande chaussure. En même temps, ça risque d'être compliqué d'avoir une chaussure pour un tank. Bon, allez, on passe à celui-ci. Le TV Man Mecha Boss V2. Et je pense que lui, il a le droit de sauter normalement. On va voir ça tout de suite, mais je pense que oui. Ok. Ouais, c'est sûr que oui. Allez, let's go, c'est parti. On va le faire sauter normalement. Attention, attention. Il allait tomber dans la rivière. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Allez, cours, 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 cours. Ok. Sympa, sympa. Est-ce qu'il va prendre la deuxième position? Oui, il prend la deuxième position. Incroyable. On commence à avoir un top 3 de Mecha Boss. Le seul intrus, c'était le tank caméraman. Mais du coup, sur ce plan, on voit bien que le TV Man Mecha Boss Speaker le dépasse légèrement. Et du coup, désormais, le top 3 est uniquement équipé de Mecha Boss. D'ailleurs, voici le TV Man Mecha Boss simple. Est-ce que lui aussi peut sauter normalement? On va voir ça. Je pense que oui, c'est bon. Il peut sauter normalement. Ok, 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 ok. Let's go. Et jusqu'à où il va retomber? Ok, pas mal. Plutôt sympa. Juste à côté du speaker araignée. On passe au speaker man upgraded. Et là, pour la première fois, je pense que c'en est un qui ne va pas sauter normalement. Il aura juste besoin de ce petit élan pour traverser le pont. C'est parti. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Et oui. Ok, il prend la tête du classement. Là, en gros, c'est une nouvelle course qui a commencé. Il faut bel et bien se dire que lui, il est premier puisqu'il avait clairement moins d'élan. On passe au speaker man upgraded corrompu. Allez, c'est parti. Lui, je pense que c'est pareil. Attention, 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 attention. Oui, il traverse, mais tout juste. Et il prend la seconde place du classement. C'est au tour du Siren Man Mecha Boss. Et là, je vous dis, ça risque d'aller extrêmement loin. Attention, attention. Ok, 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 ok. Non, il a le droit de sauter normalement. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, les. Attention. Un petit peu comme le Laserman. Bon, on va dire qu'ils sont égalités.
Ce qui reste, c'est vraiment que du lourd. C'est une véritable dinguerie. Le Tri-Titan, le TV Man Mecha Boss Ultime, ainsi que Titan TV Woman. C'est parti pour Titan TV Woman. Oh non, les plots. Ah, les plots. Je vais les remettre parce que je crois que, ouais, je vois où est-ce qu'ils sont. J'ai remplacé les plots. Mais je peux vous parier quelque chose. TV Woman Titan, elle peut sauter normalement. Même si je sais qu'elle peut pas prendre le pont parce qu'elle est trop large. Attention, attention, on va voir. Regardez, elle court tellement lentement que je vous dis, hein, vraiment. Voilà, c'est parti. Attention. Ouais, elle peut pas sauter, donc voilà. Elle peut pas traverser le pont. Là, je vous l'ai prouvé. Allez, c'est parti, on reprend un petit peu d'élan. Attention. Et ça saute. Ok. Et ça va retomber où? Vraiment pas très loin. Ah ouais, son saut, il est vraiment très très nul. Et elle est décalée. Oh, ok, c'est parfait. Elle a été décalée juste ici. C'est ok. On va pouvoir avoir le classement définitif très bientôt. Le Tri-Titan. Alors, lui, je vous le dis. Hein. Lui, vraiment, il a pas besoin de faire un saut normal. Là, directement d'ici, ça va suffire. Vous allez voir, je pense que ça va être vraiment épique. Attention. Ok, let's go. Ok, il prend la deuxième position. Incroyable, mais c'était vraiment tout juste. Et enfin, le TV Man Mecha Boss Ultime. Alors lui aussi, je pense qu'il a pas forcément besoin de faire un saut normal. Peut-être qu'il va prendre la première place du classement général. Attention. Ok, attention. Non, il peut faire un saut normal. Ok, ça veut dire que sa place se joue avec le Laser Man. Et je sais plus c'est qui l'autre. Dites-le moi en commentaire, on va vite le voir de toute façon. Allez, c'est parti. Il prend le pont. Ok. La troisième, enfin non, c'est même pas la troisième position. Là, je vais vous donner le classement final. Dernière position, le Laser Man. Ensuite, le TV Man. On continue avec le Siren Man. TV Woman diabolique. TV Woman, Titan TV Woman. Décidément, les TV Woman, on a vu qu'elles étaient pas très bonnes en saut. Ensuite, égalité, le Skip des Toilettes Espion et le Grand Speaker Man. On retrouve trois personnages à égalité. Le Speaker Man, le Caméraman et le Caméraman Contrôleur. Un petit peu devant, le Grand Laser Man. Encore devant, le Grand Caméraman. Et parmi les grands personnages, avant les Mecha Boss, c'est le Grand Projecteur Man qui l'emporte. Devant, on retrouve le Speaker Hélicoptère, le Projecteur Man Mecha Boss, le TV Man Mecha Boss, le Speaker Man Mecha Boss, le Traffic Man Mecha Boss. Comme vous l'avez remarqué, on fait du dernier jusqu'au premier. Donc pour l'instant, vous ne connaissez pas encore le top 3. Le Caméraman Mecha Boss, la Caméra Longue Jambe. On retrouve ici des tout petits personnages avec le Speaker Man à vélo Skibidi, le Projecteur Man. Là, on repasse à une plus grande taille avec le Tank Caméraman. Juste devant, on a le TV Man Mecha Boss V2. Encore devant, le TV Man Mecha Boss Speaker. Là, on approche des premières positions avec le Siren Man Mecha Boss. On n'est pas encore sur le top 3. Le Laser Man Mecha Boss. Là, on passe au top 3. Le Speaker Man Upgraded Corrompu. Deuxième position, le Tri-Titan. Et enfin, la victoire pour le Speaker Man Upgraded. Si tu veux que je fasse un prochain épisode avec tous les Skibidi Toilettes pour savoir quel est le Skibidi Toilette qui saute le plus loin, 5000 pouces bleus sur cette vidéo. Et ensuite, si tu veux que je fasse une énorme battle royale avec les meilleurs caméraman, Speaker Man, TV Man, VS les meilleurs Skibidi Toilettes, alors 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Je sais que vous en êtes capable. Il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères.